par essence, le CTRI qui n'a pas été élu par le peuple gabonais ne porte aucun projet politique. Sa présence à la tête de notre pays est à la fois anticonstitutionnelle et antidémocratique. C'est une vérité. Il ne peut donc pas envisager un seul instant conserver le pouvoir. Ce n'est pas possible. Que ceux-là qui pensent que le CTRI peut penser conserver le pouvoir, se détrompent. Pourquoi donc autant de bousculades, de courtisans, de roitelets et de petits gourous autour du président et du CTRI? Pourquoi les gens se bousculent-ils? Mais ces perfides trompeurs qui travaillent à isoler le président de la transition, à l'éloigner des populations, peuvent-ils avoir d'autres objectifs que celui de tromper le peuple et de s'enrichir sur son dos? Est-ce qu'ils peuvent avoir un autre objectif que celui de tromper le président et de s'enrichir sur son dos? Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que ces magiciens reproduisent aujourd'hui à l'identique ce que nous avons tous décrié hier. Leur célèbre phrase est « c'est notre tour ». C'est ce qu'on entend dire ceux qui sont tous les politiques et les autres, la diaspora, vous avez les activistes, tous ceux qui se sucrent aujourd'hui, ils vous disent « c'est notre tour ». C'est notre tour. Cette célèbre phrase nous rappelle douloureusement la célèbre phrase des gangsters politiques des années 2012. Je cite, « On ne fait pas du neuf avec du vieux ». Voilà, ils reproduisent la même chose. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On avait déjà entendu ça. Et aujourd'hui, les autres disent, « C'est notre tour ». Où est l'intérêt du Gabon? Monsieur le président de la transition, avec les militaires au pouvoir, nous et la transition avec, nous croyions ces pratiques dévolues. Nous pensions que ces pratiques étaient déjà passées. Mais, chers membres du CTRI, parce que nous croyons toujours en vous, nous ne pouvons pas vous mentir. Parce que nous croyons toujours en vous, nous ne pouvons pas vous mentir. Nous vous disons, nous vous devons la vérité. Pour cela, nous vous rappelons que si nous avons soutenu le coup d'État du 30 août 2023, c'est parce que nous croyons que le CTRI, dans sa promesse de restaurer les institutions de la République, est venu libérer tous les espoirs politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple gabonais, qui ne pouvait même plus rêver. Pour dire tout simplement que c'est le changement que nous désirons, pas la mêmeté, pour parler comme Heidegger. Nous ne voulons plus la mêmeté, nous voulons le changement. Les dures réalités de la vie quotidienne de nos compatriotes nous recommandent de vous poser la question. Où est le changement lorsque le népotisme, le favoritisme et le clanisme deviennent davantage la règle? Le changement est où? Il est où ce changement que le peuple veut lorsque le favoritisme, le népotisme, la corruption et bien d'autres choses de cette nature persistent? Où est le changement lorsque l'activisme est devenu une compétence, un critère de bonne moralité, monsieur le président? Donc il suffit seulement d'être activiste et on est pensé être blanc. Et on pense que vous êtes un bon citoyen, vous êtes un patriote parce que vous êtes activiste. Mettant ainsi les compétences et les intelligences. Où est le changement lorsque certains clans et cantons s'arrogent tous les privilèges au mépris du patriotisme, de la justice et de l'égalité qui semblent vous être si chers? Quand c'est seulement certains clans, certains départements qui s'arrogent tous les privilèges au détriment des autres Gabonais, où est le changement? Où est, monsieur le président, la transition, le changement lorsque, comme les écailleurs, c'est le projet un jeune, un taxi que vous brandissez pour faire rêver le jeune Gabonais? Est-ce que c'est aujourd'hui, on doit encore penser que un jeune, un taxi, c'est un rêve?
Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire rêver le jeune Gabonais? Monsieur le Président, nous vous disons simplement la vérité qui sauve et qui rapproche les amis et qui nous rapproche surtout de Dieu. Posons encore la question au général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Où est le changement tant souhaité par les Gabonais lorsqu'ils subissent, plus qu'hier, les délestages de la SEG, l'insécurité grandissante qui endeuille nos familles chaque semaine? Où est le changement? Où est le changement lorsque, plus qu'hier, les Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts parce que la vie devient de plus en plus chère? Où est le changement? Que le CTRI et son président nous disent où est le changement lorsque le chômage des jeunes et la précarité sévissent de plus en plus à Kingélé, à Tibintot, les Akébé, derrière la prison et dans l'arrière-pays. La précarité et le chômage gangrènent nos jeunes, sévissent. Où est le changement? Disons la vérité au général de brigade Brice Clotaire Oligingema, président de la transition. Posons-lui la question de savoir où est la restauration des institutions si les simples résolutions d'un dialogue national inclusif, non souverain, doivent constituer force de loi. Il est en effet inapproprié dans un communiqué officiel que dans un communiqué officiel, en lieu et place de la charte de la transition, de se référer aux résolutions du dialogue national. C'est inapproprié. Si on veut restaurer les institutions, respectons nos règles. Où est-elle, cette restauration des institutions tant clamée, si son processus n'est même pas respecté? Oui, comment comprendre que certaines résolutions soient appliquées sans avoir été examinées au préalable par le Conseil constitutionnel et soumises à la validation par le peuple via le référendum prévu se tenir au mois d'août 2024? Pourquoi appliquer des résolutions alors que tout le processus n'est même pas encore respecté? Monsieur le Président, chers membres du CTRI, où est la restauration des institutions si l'impunité est de plus en plus la règle? Par exemple, que dit le CTRI des révélations sur Delta Synergie et sur les résultats des différents audits de la fonction publique? Que dit le CTRI sur la situation, les révélations sur Delta Synergie et les audits de la fonction publique? Monsieur le Président, où est la restauration des institutions si on rend impossible la création des partis politiques? De quelle restauration parle-t-on si on ne favorise pas l'émulation politique? Il est encore possible, Monsieur le Président, de le faire, soit par la dissolution pure et simple de tous les partis politiques, soit d'inviter les différents partis politiques existants ou en création à se ranger sur la base idéologique dans les quatre blocs différents, tout en simplifiant la création des partis politiques dont l'activité est déjà limitée dans leurs blocs respectifs et par un financement conditionné à des critères de performance. Nombre d'élus, le score fait aux élections, le pourcentage, etc. Exiger 18 000 adhérents à la création d'un parti politique est tout simplement irréaliste et liberticide. Posons-lui encore la question.